Trevor. Quand je commençais la musique, je n'avais rien, et il y avait des gens fortunés qui pouvaient m'aider, mais ils ne l'ont pas fait. Le jour je devrais enregistrer mon premier morceau, je n'avais rien comme argent pour me rendre à la capitale pour chanter. Ma mère était malade et elle m'a donné son argent d'ordonnance et elle m'a dit « Va vendre ton talent mon fils ». Elle a sacrifié sa santé pour ma réussite. Grâce à elle et Dieu, j'ai réussi à déployer mon talent et ça paye. Je suis retournée voir ma mère et je lui ai dit « Maman, grâce à ton argent d'ordonnance j'ai réussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pour que tu sois heureuse ?» Vous savez ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit « Mon fils, je suis déjà heureuse parce que tu es reconnaissant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. » Mais je profite pour te donner un conseil, dans la vie, si personne ne t'aide, ce n'est pas grave, n'en veux à personne, ne déteste personne, tu n'as pas besoin même de l'aide des gens, tu n'as pas besoin même que les gens viennent t'aider à réaliser quoi que ce soit, tu as juste besoin de la bénédiction de ta mère, c'est tout, le reste ce n'est pas important, à toi maintenant de traverser les épreuves sans crainte, car la bénédiction de ta mère te protège. Mais ne fais du mal à personne et ne déteste personne et surtout sois reconnaissant dans la vie. Voilà pourquoi je chante tout le temps pour la femme, car ma mère m'a montré que la femme est au centre du monde. Que Dieu bénisse et donne une longue vie à toutes les mères qui se sacrifient pour leur enfant. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre l'actualité sur vos artistes préférés.